Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Oh genre je peux pas passer par là. S'il te plaît, allez, fais un effort. Oh non, c'est horrible, la flemme. Bon, écoutez, pour ma part ça va nickel, on se retrouve pour le 6ème épisode de l'aventure sur Far Cry 6. On a libéré des otages juste... Non, c'est de la merde. Eh, j'ai failli mourir. Allô. Oh mon dieu, on a libéré des otages juste ici, pour rappel. Et là écoutez, on va aller... Oh putain, de monter par là. On va aller faire la mission de Sabal. On va aller au S voir Sabal. Et sur le chemin il y a quelques points d'interrogation. Donc des lieux d'intérêt assez sympa peut-être à aller explorer. Ok, donc ça ne servait à rien de passer par là, j'ai bien compris. Bon bah on va faire un petit tour, j'ai compris. Donc on va sur le chemin des petits points d'interrogation à aller explorer. Pour rappel, je vais vous montrer un petit peu la carte. On est ici. On était là à la ferme de Brapacar. On va passer par ce point d'interrogation, il y a des petits trésors à récupérer et puis Sabal qui est donc juste là à la frontière de l'inconnu. Voilà, directement. Et on commence à avoir pas mal de zones vertes. Donc vraiment c'est les zones que du coup on a clean, littéralement. Est-ce qu'on y va en wingsuit? Ça pue du cul mais j'aime ça. J'aime ça. Moi je veux du huc, du huc, du huc, du huc, du huc. Ouais, je suis en train de tout contourner quoi. On vaut mieux. On aura quand même gagné du temps à faire ça en vrai. A défaut d'avoir une voiture. Ok, allez, c'est parti. Dernière ligne droite. Bon, du coup, il fait un petit peu nuit. C'est un petit peu dommage parce que, bon, alors c'est très beau, hein, mais. C'est vrai que quand il fait nuit, il fait un peu plus sombre. Et on voit un petit peu moins les dangers. Quelque chose quand même à reprocher. Après, ça reste un jeu des années yéyé. C'est vrai que. Bah des fois on n'arrive pas à passer des textures quoi. On n'arrive pas à passer sur des cailloux et ci et ça. Et c'est un petit peu frustrant. Ça me rappelle vraiment à l'époque la PS3 quand c'était pixelisé. Sauf que bah du coup là c'est pas pixelisé. Donc c'est assez frustrant. T'as l'impression que t'es sur un nouveau jeu. Et en réalité tu recomprends que c'est quand même un ancien jeu. Et purée, quelle qualité quand même. Une qualité quand même de fou. Allez, on est arrivé. On va aller voir, j'allais dire Sabal. Mais non, là c'est le point d'interrogation, je me disais. Je me disais, puis on va essayer de se trouver un moyen de locomotion quand même par la suite parce que sinon ça va être assez terrible. Oh putain, c'est la grotte du tigre. Ok, adieu. C'est la grotte du tigre. Je pensais pas du tout qu'on irait dans la grotte du tigre dès maintenant, mais c'est incroyable. C'est incroyable. D'accord. C'est ce qu'on avait vu en débloquant le clocher dans le dernier épisode. Et d'ailleurs, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous allez liker cette vidéo. Repère du tigre, c'est bien ça. Oh merde, mon pauvre. Tu pourrais allumer une lumière? Ce serait sympa. Une petite lumière, non? Pas de lumière. D'accord. On a des os, munitions de pistolet. Oh! Hop là. On vient de récupérer une quatrième arme. Un petit pistolet qui fait toujours plaisir. Bon là, il y a un arc si jamais. Qu'avons-nous là? Très bien. Grimper, quoi? On peut monter là-haut. Attendez, bougez pas. Ok, j'espère que vous voyez un petit peu quand même. Mon cher frère, je suis heureux d'avoir de tes nouvelles. Je me rends compte des tensions qui nous séparent. Bien sûr, je viendrai te voir, mais nous devons nous montrer discrets. De Pleur m'a nommé caporal. Bon d'accord, c'est les méchants ça. Je crois. Je crois que c'est les méchants. De Pleur. Ok, un petit coffre encore. Cache des FND. Non mais hey, le jeu est bugué quand même hein. Le jeu il est quand même bugué. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Je viens de perdre de la santé pour air. Bon mais on s'est fait un petit tigre. Et ça c'est sympa. On va continuer du coup notre exploration, notre épopée. Il y a des petits trésors qui traînent sur le chemin. Et puis on va aller du coup voir sa balle. Et il y a une tour radio. Oui mais ça c'est la tour radio qu'on a débloquée donc. Oui ça c'est la tour radio qu'on a débloquée. Très bien. Et nous on va aller voir sa balle qui est là-bas. Donc vous voyez, c'est ce que je dis, la map elle est quand même pas grande parce que vous avez vu comment on se déplace assez vite en vrai. En vrai de vrai. Alors tant mieux hein, parce que purée, recommencer une nouvelle aventure sur un ancien jeu si la map est super grande, c'est un petit peu compliqué. Mais là ça va. Encore. Oh bah attendez, ça va être l'occasion d'essayer notre nouvelle compétence. Ah. Du coup peut-être pas. Attendez, 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 je vais essayer mon coup. Je vais essayer mon coup, j'y arriverai pas. Bon bah ils sont trop forts en fait. Allez, je vous laisse, ils sont trop forts là. Je peux rien faire, ils sont trop forts les copains.
C'est les copains. Allez hop, let's go. Ouais, trop tard, hein. Le sauvetage, là, je suis parti, là. Je suis parti, ok, faut qu'on traverse l'eau. Ça pue la merde, ça. Alors, on va se poser là 2 minutes. C'est un point d'interrogation. Distillerie de Rakshi, ça m'agite. Ça m'agite, ça m'agite. Oh, qu'avons-nous là? Oh, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ma part du butin. Très bien. Ok, un petit coffre encore. Cassette VHS, incroyable. Incroyable. Et de la propagande à enlever, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi ils ont pas enlevé la propagande? C'est pas à moi de faire ça, hein. Moi j'en ai rien à péter, moi. Un bateau, superbe. Ah, je viens de faire un joli plongeon, c'était pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Allez, il y a 150 affiches de propagande qu'on peut enlever, hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, let's go. Il y a une petite île. Et on se croirait sur Sons of the Forest ou quoi là? Et là, il y a la fumée, il y a plein d'avant-postes, on pourrait s'en faire. Non mais les mecs, ils sont en train... Eh, ils sont en train de prendre feu, sincèrement, là. Et ils sont débiles quand même, hein. L'intelligence artificielle, c'est plus ce que c'était, hein. C'est plus ce que c'était. Oh, regardez cet éléphant. Un éléphant au roi se trompe parfois. Ça, c'est gentil. Je peux lui monter dessus ou pas? Non, je peux pas lui monter dessus. Mais un jour, on pourra leur monter dessus. Et ça, c'est beau. Y a un otage. Ah non, tuer le lieutenant. Ok. J'adore faire ça. Même s'il est invincible à chaque fois. Ah, je vois qu'un seul mec là aussi. Bonjour. Mais il est où, lieutenant? De toute façon, on va pas y aller par 4 chemins, mon ref. Le thé Kira. Kirati. C'est fait exprès? Adieu. Ah, j'ai bien foiré mon coup. Bon, bah voilà. Et de 1. Et de 2. Ah, il est là, le lieutenant, il est invincible. Voilà. Bon bah ça c'est fait, hein. Ah, en fait j'ai tué le lieutenant avec la grenade, d'accord. Bon bah voilà, ça c'est fait, c'est parfait. On va se calmer là, le chauffard là. Oh, on se détend, hein. On va se détendre. Bon allez, ça balle, là il est à 100 mètres. On y arrive sur le chemin des trésors. Trésor de Kelops. Hop là. Eh, les éléphants, c'est magistral, quoi. Ça va, mon ref? C'est magnifique. Enfin, moi, j'adore les éléphants. Hein. Cette phrase est bizarre. Il y a un avant-poste, là. J'aimerais bien me le faire, j'avoue, mais... En fait, il me faudra une quatrième arme, genre un sniper. Et une vraie mitraillette, enfin, un truc comme ça. Oh, mais attendez! Il faut que je libère des avant... il faut que je libère des clochers. Et j'aurai une arme gratuite, là, que je voulais, là. Donc vous savez quoi, on va d'abord faire encore un dernier clocher. On va débloquer une arme gratuite et à partir de là ça va être bien sympa. Le Kirati Company. Ok, les thés du Kira. J'aimerais bien goûter un thé de là-bas. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, salut Sabal, n'oubliez pas le pouce bleu bien sûr. Sabal. Le champion est de retour. Bravo, tu as empêché un massacre en défendant ce camp. Vous me mettez dans une position difficile. Amita aurait laissé ses gens mourir, et pourquoi? Pour des infos qui n'auraient peut-être servi à rien? Le bon choix était évident, mon frère. C'est ce que ton père aurait fait. Pour le Sentier d'Or. C'est cette direction qu'on prenait quand Mohan est mort. C'est pour ça que je suis là. Parce que je connaissais ton père. Et que je respectais sa vision. Elle fait quoi, Amita, dans tout ça? Écoute, j'ai vraiment beaucoup de respect pour elle. Mais deux chefs, c'est un de trop. Surtout si tu veux avancer. C'est un truc que ton père m'a appris. C'est horrible. C'est horrible, cette situation. Tu dois comprendre ce qui l'animait. Ce qui nous motive.
Rends-toi au monastère. Oh là là, on va en apprendre plus. Par contre, il y a un truc qui est assez fascinant. J'ai remarqué que Sabal, il est plus du côté de mon père. Là où Amita, il est plus du côté de ma mère. C'est rigolo, hein. Voilà, sa petite parenthèse. Une affiche de propagande peut-être. Bien sûr, tout à fait, ça dégage. Rejoignez le monastère de Charles Jama. Il est un petit peu loin. Il est un petit peu loin, on va se détendre. Alors il y a un clocher sur le chemin, c'est parfait. Après il y a des clochers aussi tout autour là-haut. Et faut dire, bon la map est à la fois... En fait si, elle est quand même grande, mais elle se parcourt facilement. Voilà. Du coup moi ce qui m'intéresserait, compétence, moi ce qui m'intéresserait, c'est de faire ce clocher, de toute façon c'est sur le chemin. On fait ce clocher. Ensuite, bah pas le choix, on fera un avant-poste. Et on s'en arrêtera là. Et puis dans le prochain épisode, on ira au monastère, d'accord. On va prendre une voiture. Hein. Et puis ça part. Et là, normalement, on va débloquer une nouvelle arme. Ceci gratuite. Si je dis pas de bêtises. Des affaires publiques et de l'harmonie sociale. Oui, oui, oui. Ici Tonton Pagan pour un petit message à mon neveu préféré. Alors, dis-moi, James. Comment ça se passe l'intégration jusqu'ici? Es-tu tombé dans le piège sucré de la belle Amita? Ou as-tu craqué pour les boucles brunes et la mâchoire virile de Sabal? Chacun ses goûts, hein, tu es libre de choisir. En ce qui me concerne, et contrairement à ce qu'on pourrait déduire de mes costumes, j'ai choisi l'autre camp. Toi, plus que n'importe qui. Tu devrais savoir qu'il n'y a jamais eu qu'une seule femme dans ma vie, garçon. C'est bien mon ref. Allez, on va monter, on arrive au niveau du clocher. Aïe! Purée, alors non seulement je dois écouter les âneries de Pagan, et en plus je me fais charger. C'est bon, fous-moi la paix là. Je t'avais dit que t'allais regretter, hein. Non, je l'ai peut-être pas dit, mais je le pensais fort. Allez, on va te dépuceler là. Ça c'est fait, c'est carré. Attendez là, eh, là il y a moyen de rigoler là un petit peu. Là il y a moyen de rigoler, tu vois le mec qui fait sa petite sieste. Tu vois le tigre. Attendez, on va le libérer. Oh purée, là j'ai failli. Ouais bon par contre Voilà. Et voilà. Le tigre est libéré. Fais-toi plaisir mon copain. Oh ouais. Ouais ouais ouais. Bah là je peux pas m'en sortir. Là je peux juste pas m'en sortir. Là je peux juste pas m'en sortir. Allez mais sors une arme. Oh c'est pas vrai. Ok. 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 Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Je suis assez fier de moi. Et je pense que ça mérite un maximum de pouces bleus les amis. Parce que là j'étais under pressure. J'étais under pressure. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Je suis super content. Oh je compte sur vous les gars pour liker un maximum. Parce que là c'est du beau jeu que je vous propose. C'est du beau jeu. C'est comme ça que ça se passe par ici. En plus on a un paquet de récompenses en termes de loot. Et ça c'est chouette. Là j'étais seul contre tous, c'était de la mêlée générale mon pote, laisse tomber hein. Laisse tomber, allez on monte, on utilise le grappin directement. Je vais encore me faire attaquer par un aigle. Traquer et tuer le messager, j'en ai rien à péter, là ça fait 5 fois qu'il passe depuis tout à l'heure. Eh je suis censé monter comment là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oh. Ah c'est chouette. Eh je suis censé faire quoi? C'est bon ça me gonfle. Allez hop, on va essayer de se faire foutre, allez. C'est, je comprends pas, allez fous-moi la paix toi. Putain mais arrête frère. Toujours, eh franchement hein. C'est exagéré hein. C'est exagéré des bonnes choses. On peut me foutre la paix ou...
c'est possible. Comment je monte? Ça me gonfle. Et par contre vraiment, ok, je peux monter par là, je suis un débile. Je suis un débile, mais c'est pas grave. La débilité fait mon charme, je crois. C'est peut-être pour ça que vous me suivez. Allez, on monte tranquillement. Je vais pouvoir me racheter des seringues, hein. Parce que là, je n'en ai plus et c'est la merde. Allez, on va monter, bordel, de en haut de cette tyrolienne. De cette tyrolienne, bien sûr. Allez, moi je vous dépaisse même pas là, vous m'avez saoulé. Comment je monte? Là. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, facile. Ah, la montagne, ça vous gagne. Allez, on y arrive. Je suis au bout de ma vie. Le jeu me prank, hein, quand même. Voilà. Putain, en plus, depuis tout à l'heure, je croyais que j'avais pas le micro activé, j'ai eu peur. C'est un méchant qui parle. T'as demandé à l'aide? Ah non, mais y'a même pas de méchant. Ah, y'a pas de méchant, c'est bon. Réquisition de la tour. T'inquiète, moi je vais te la réquisitionner. Ça va, mon ref? Bon, on récupère des munitions. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Madame, ça va? L'échelle. Je prie le Dieu pour qu'il me protège. Oui, oui, Dieu va te protéger. Dieu m'a donné la foi, comme on dit. C'est Ophélie Winter qui dit ça plus, mais bon, bref, tu m'as compris. Allez! Ah! C'est fort ennuyeux ça. Là! J'adore. Tu sais, les tours à dos, tu peux y passer 10 minutes quand même en vrai. Si t'es un peu teubé, tu peux y passer 10 minutes. Vas-y, par ici. Hop là, j'ai failli tomber, c'est parfait. Que passe-t-il? D'accord. Ah! Ah! Oh non. Alors là, je comprends pas. Je panique, voilà. Oui, oui, le sentier d'or, il t'emmerde. Là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, là, par contre, c'est une blague. Oh purée, je suis débile. Oh! Ah, je l'ai dit, hein, quand vous êtes teubé, tu peux y passer 10 minutes, hein. Hop, j'espère que l'aigle va pas m'emmerder. Sauver les otages, ils attendront. Ah si, je te le dis. Et voilà, je crois qu'on est tout en haut. Yes, let's go. Ça, c'est fait. Oh purée, on s'ennuie pas, hein. Quatrième clocher libéré. Rout. Oui, bah des chiens, des aigles, on aura compris qu'il y a quand même pas mal de problèmes par ici. Ferme à mêlée de 10 packs. Ouais, ouais, ouais. Chanson de Banachure. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est vérissure. Ombre et de Kira. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, on a dit on ferait un avant-poste. On va faire un avant-poste. Attends, déjà, on va regarder parce que ça se débloque. Regardez comme c'est magnifique. Notre objectif est à côté. On va faire écouter l'avant-poste là, dans cette direction. Ombre de Kira, très bien. J'aurais bien aimé trouver un marchand ambulant, mais là y a, c'est rouge, donc c'est zone ennemie, donc il n'y aura pas de marchand ambulant. Mais j'aurais bien aimé. Pour avoir une arme spéciale, genre sniper ou quoi, tu vois, ce serait sympa. Malheureusement, ce n'est point le cas. Allez. Magnifique. On va essayer de pas se rétamer la gueule. Ça va vite, hein, comme ça. Hein. Magnifique. Allez. Donc là j'ai une AK-47, j'ai un pistolet de secours. Pas si ouf que ça. J'ai surtout le flingue silencieux, mais j'ai plus beaucoup de munitions et l'arc. Et on peut atteindre plus de gens. Prends encore d'autres tours et le Kirat pourra vraiment te remercier. Là je vais avoir un petit problème.
c'est bon. Ok. Qu'avons-nous là? Alors, il y a une radio, je le vois sur le GPS. Hop là, j'ai déjà fait me faire cramer, je ne sais pas d'où. Ok, un mastodonte. Tu vois, là, un sniper, ce serait parfait pour la... pour casser le truc. Je peux envoyer un appât à la limite. Bon, il n'y a qu'une seule radio, donc ça, c'est pas mal. Alarme, voilà, alarme, je... les mauvais mots. Le mastodonte, il va nous causer quelques soucis pour le moment. C'est quoi ça? Ok, c'est des petits cochons, rien de bien méchant. Ok. Ah bah, il y a du monde quand même là au balcon. Hein? Les cochons, ils vont réussir à me cramer hein, quand même. La priorité, c'est l'alarme. Manoir Keta, d'accord. Où est le mastodonte? Ah, il fait le tour. Je suis un boss. Magnifique. Je suis un vrai ninja. Ok. Allez, s'il y a moins de faire ça furtif, c'est stylé hein. Oh, un petit trésor. Ok. Toujours à la limite C'est ça qui est bon. Oh, lui il a rien compris à sa life. J'adore ce jeu. Viens voir. Il est en dessous quoi? En dessous de quoi? Fais voir ce que t'as dans le ventre. J'ai ça, regarde. Voilà. C'est maintenant que tu meurs. Bon, le mastodonte, ça va être un peu compliqué par contre. 1, 2, 3, 4. Salut. Ah bah voilà. Let's go mon soleil. Discret bien sûr, là j'étais discret hein. C'est le meilleur avant-poste que j'ai fait pour le moment je crois. Je suis assez content. J'espère que vous avez kiffé. Et du coup, ce qui est pas mal, qu'est-ce que c'est que ça? Maître de l'avant-poste. Libérez l'avant-poste en éliminant tous les ennemis. Si vous l'emportez sans être repéré, sans être clashé, vous manquerez des points supplémentaires. D'accord, c'est des petits objectifs secondaires assez sympas. Là j'imagine j'ai une libération d'otages également à l'intérieur. Que je ne vais pas faire. Ah non, là c'est à œil pour œil. C'est une mission. Il y a plein de missions et ça rapporte de l'argent, ça rapporte des points de karma. Vous l'avez compris, en fait on ne s'ennuie pas. C'est impossible de s'ennuyer, c'est ça ce qui est chouette. Est-ce que du coup j'ai débloqué l'arme STG? Ben voilà, c'est bon. C'est Longinus qui m'a offert cette arme. Et bah du coup je vais l'acheter. Je vais du coup. Bah l'acheter, j'ai dit, voilà, merci, oui. Je l'achète. Je la mets à la place de la AK-47. Je pense qu'elle sera bien mieux, on avait dit. Voilà, c'est bon. On va pouvoir lui mettre un petit viseur laser. Un petit chargeur amélioré. Et puis la peinture, on aime bien mettre de la peinture. Ah, sauf que là, il n'y a rien qui me hype. Par défaut, elle est comment? Attends. Ouais, on va la laisser par défaut. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite... un petit sniper si c'est possible, ce serait vraiment chouette. Oh là là, verrouiller, terminer 4 quêtes escorte. Ok, il faut terminer des quêtes pour pouvoir débloquer ses armes. D'accord. Mais là, il n'y a pas... si, il y a un sniper là. Terminer plus de missions de campagne ou libérer 3 clochers de plus. Oh! Bon, bah on en reparle dans 3 clochers. Entre temps, bah à défaut d'avoir un sniper, on peut avoir un lance-roquette. Moi, je vous le dis, un lance-roquette... contre les mastodontes, ça fera plaisir. Notamment. Voilà. Et je pense que là, on est vraiment pas mal. Je pense que là, on a un petit stuff assez sympa. On va s'acheter des seringues. Et voilà, j'ai plus une thune, donc ça, c'est parfait. Ah, gilet pare-balles, ça aurait été sympa. Mais vous inquiétez pas, regardez, je vais vendre. Voilà.
Je vais aussi vendre... Non, le tigre, je vais garder. J'en ai besoin, je crois. Je sais plus pourquoi. Les feuilles, je vais les vendre parce que j'en ai... Je vois pas pourquoi j'en aurais besoin pour le moment. Vu que les soins, je les ai confectionnés. Voilà. Et avec l'argent que j'ai maintenant, gilet pare-balles. Voilà, magnifique. Allez, on est vraiment pas mal. À cause de lui. Il est vraiment bien ce jeu, hein. Il est vraiment bien ce jeu, j'insiste, hein. Confection, du coup, je peux même confectionner quelque chose encore. Sac de munitions lourdes. Bon, j'en ai pas besoin pour le moment, mais au moins c'est fait. Let's go. Compétences, j'ai 4 points de compétences. Alors attendez. Les barres de santé incomplètes se régénèrent bien plus vite. Non, l'outil de réparation. Récolter 2 fois plus de feuilles. Moins vulnérable aux dégâts. Et monter sur un éléphant. Allez, c'était ce que je voulais. Monter sur un éléphant et confectionner une seringue pour courir et nager plus vite. Là, ça m'intéresse pas. Recharger en courant. Ok, ça c'est quoi? Après une exécution, saisir le corps. Prendre son arme et l'utiliser pour tirer sur ses alliés. Ouais. On n'est pas obligé pour le moment. Lorsque vous déplacez un corps, recharger une arme en courant. Ouais, vas-y, on va faire ça. C'est quand même pratique. Bah, ça m'aurait été bien utile tout à l'heure quand j'étais dans le caca. Très bien. Et bien maintenant, je vais pouvoir monter sur les éléphants, les amis. On va pouvoir explorer ça dans les prochains épisodes. Ça va être bien sympa. Donc, un bon petit lance-roquette. Enfin, plein de trucs bien sympa. Donc, bah, dans le prochain épisode, comme convenu, on va aller voir l'objectif en cours, rejoindre le monastère de Chaljama. Tout simplement, voilà. Et on a une petite zone verte qui est en train de se dessiner. Donc c'est parfait, ça nous fait un petit chemin safe. Eh, les dangers publics, sors du véhicule. C'est bien plus qu'une voiture pour moi. Ouais ouais, bah j'ai pas l'impression parce que t'en prends pas vraiment soin. Allez les amis, n'oubliez pas le like, surtout pour cet épisode incroyable. J'espère qu'il vous a plu sincèrement. Et on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.